Allez, on va commencer. J'essaie de passer. Franchement, je crois que je vais essayer de passer Platine 4 et on s'arrêtera là, chill, tranquille. Je vous avoue que ça fait déjà plusieurs mois maintenant que je me prends plus la tête à essayer de passer Diamant. Je le fais par principe, mais voilà. Je me prends vraiment plus la tête. La main est correcte si je pioche une bonne carte sur Pot de Désir. Mais pas grand-chose, hein. Juste une petite carte intéressante. Ça peut être Moyet, ça peut être la magie, ça peut être Ashuna. Bon, Moyet, c'est presque mort parce que j'en ai déjà ban 2. Ah, c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf, cette pioche. Bah, je peux pas faire grand-chose avec ça. Attendez. Je peux pas faire grand-chose avec cette histoire. Je peux faire effet, défausser Protoss et invoquer ça. Ou même invoquer ça avant, d'ailleurs. J'invoque ça. J'invoque ça, défausse ça. Je ne peux pas faire grand-chose. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'arnaquer le truc? Je peux pas faire Yasi. Enfin si, je peux le faire, mais je ne peux pas faire son premier effet. À moins que je ne le détruise avec Protoss. Bon, il y a moyen de faire ça? Invoque ça. Faites ça, défausse ça. Synchro. Synchro 7 avec ces deux-là. J'ai deux monstres, un feu. Non, ça marchera pas. Malheureusement, ils sont feu et terre et ces deux-là sont feu et terre. Ça marchera pas. Ça, c'est terrible, ça. À nouveau, je me fais avoir par la RNG. Je crois que le meilleur plan que j'ai, c'est d'installer Baron et pas ce turn. Enfin, non, même pas Baron. Plutôt Souverain. Pour la combo avec Blackout. Et je fais Souverain, Maxé plus H plus ça. Ou alors je fais Baron, en espérant que mon max... Comme ça je garde mon maxé à tous les coups. Je pense que j'ai pas le choix. Et je défausse Protoss. Hein. Et je garde Adara pour le tour suivant. Je crois que j'ai pas le choix. Je vais devoir terminer sur Baron. Et je vais peut-être garder Blackout. Pour que. Ou alors j'invoque normal Adara. Je devais déjà l'invoquer spécialement alors dans ce cas-là. Ouais, on va faire ça. Terrible. Pioche de pot de désir était terrible à nouveau. Protoss et la baronne, tu invoques H, tu auras les trois attributs pour Protoss. Non, hein, parce que. Il est feu, lui. Longan, il est feu. C'était la tristesse. J'y avais pensé, mais Longan, il est feu. Ah putain, en plus, je me prends ça. C'est terrible. Faire ça parce que si on invoque un Kaiju, bon, moi je piocherai une carte. Numéron. Ah oui, je dois cibler deux cartes adverses. Je comprenais pas pourquoi je pouvais pas l'activer. Mais maintenant, je sais, j'ai pigé. On va le laisser suicider deux cartes. Hein. Et on détruira les deux autres. Non destructible au combat, mais par effet de carte, en revanche, c'est pas la même.
Ah oui, mais là, dans ce cas-là. Ouais, c'est ça, je me suis pas trompé. C'est bel et bien celui-là qui avait attaqué. Bon, en revanche, ma pioche, au secours, quoi. Ah ouais, pose 3, lui, carrément. Ok, très bien. C'est pas ouf non plus, hein. Après, je peux invoquer... Ah, putain, au secours. Au secours, quoi, franchement. Calice. Ok. Force miroir ou pas? Plus maintenant, en tout cas, il peut plus le faire. En tout cas, Calice là-dessus, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. L'avantage c'est qu'on a quand même malgré tout H, mais bon. Au secours la main, quoi. Ah putain. Ça me fait sur le cerveau de faire des invocations synchro avec H. Putain, double Graal, quoi. Le gars est nul, hein. C'est juste jouer numéro 1, merci, au revoir. Attendez, il y a un monde où il en a pas 4. Qu'est-ce que je déteste ce deck? Ouais, mais il peut pas suicider à l'infini, il lui reste 1600 points de vie. Ouais, je me disais aussi. Abramax, yep. Je me disais aussi, il pouvait plus suicider, c'était fini ça. L'époque du suicide était révolue. Bon. Ça, c'est pas un souci à gérer, normalement. Enfin, normalement. Ouais, si, quoique. Borload. J'ai mis Borload exprès. Let's go. Je préfère faire ça. Comme ça, j'invoque Vishuda d'abord. J'invoque Vishuda, je gère sa MP. Voilà. Ça, c'est peut-être un Graal, ça, encore une fois. Faites Vishuda. On dégage ça. Ok, parfait. On invoque ça. Effet. Je réfléchis. On va ban ceci. Ah, je peux ban ça et le récupérer avec Protoss, le récupérer avec Adara. Attendez un peu. Ou alors je ban ça et je gère Abramax. Je le récupère avec Adara. Il ne peut pas être ciblé par effet de carte et c'est bon, ne peut pas être... Il est destructible, on est d'accord. Donc go Protoss alors. Effet d'Adara. On récupère Protoss. Chez Baxia. Je fais... Lui, je peux pas le cibler, on est d'accord, hein.
Il peut pas être ciblé par effet de carte. Ok. Chaîne 1. Et pour le protéger de A, je vais faire chaîne 2 le terrain. Ok. Let's go.